Marseille, ça va? Ouais mon frérot, ça va et toi? Ouais, bon ce soir c'est qui alors? Ce soir c'est à mon tour. Hein, je passe à la casserole. Qu'est-ce je m'occupe de la casserole. Alors qu'est-ce que tu nous prépares, un petit plat? Je vais vous montrer ça après, préparez-vous, allez vous installer, vous allez bien manger. Bon, notre ami le caméraman il se prépare. Nazim, Momo, toujours ça va? Tranquille, Abdoula. En place, Roger. Toujours c'est parti, motivé hein. Pour la soirée, oui. Motivé pour l'événement. Bon, c'est l'anniversaire de Momo ce soir. Exactement, ouais, ouais, c'est mon anniversaire. Ouais, enfin, exact. Ça te fait 22 ans et toutes tes dents. Ouais. C'est les anniversaires. Hein. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci à vous d'être là, en tout cas. C'est très gentil. On va partager un joli moment tous ensemble. Et on va justement fêter l'anniversaire de notre cher ami Momo. Voilà, Moha. Voilà. Quelque chose de bien. C'est un bon moment. Je suis là-bas au fond, toi t'es là, ici à côté. Non voilà. Ah, t'es déjà fait. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens-moi. Merci. Tiens. Voilà, ça. Il arrive très appétissant. Très succulent, onctueux. Le pain, il est là. C'est le moins qu'on puisse dire. On est dans l'émission Un dîner plus que parfait. Tiens, allez, coupez votre pain. Allez, allez, merci. Assieds-toi. Bien, bon. Donc, caméraman, t'en penses quoi? Ah, c'est là, c'est qui a mon téléphone. Ah, c'est le tien? Non, non. C'est à qui ça? Bah, c'est le mien. Ouais. Le mien est où? Ah, j'ai pas ton téléphone. Regardez avant. Il est là-bas. Ah, il est là-bas, merci. Voilà, aujourd'hui, c'est mon tour. Bon, vous inquiétez pas, on a commencé à faire une petite salade. C'est que le départ. Et alors, dégustez votre petite salade. Mon cher caméraman, allez-y manger. Profitez, aujourd'hui, c'est mon tour. J'espère que je vais gagner. Bon appétit. Bon, je vous prépare une pomme de terre écrasée au beurre de la Bretagne. Bien entendu, car la Bretagne, sans la Bretagne, un plat n'est pas... un plat, voilà. Un passage, un grand dédicace à tous nos Bretons et nos Bretonnes et nos Bretous. Nous allons déguster ça par une cuillère de purée mousseline. Pardon. Vous ne mangerez pas les tomates, vous. Non. Vous en avez une deuxième portion pour vous. Du fleur de sel, que pour les vrais connaisseurs. Merci. Achetez pour moi mon assiette. Merci. Voilà. Attendez, j'arrive. On relance une autre purée avec un goût plus. C'est pas la même, hein. Celle-là, c'est toujours avec le beurre de province, mais. Pardon, merci. Un petit saut de saumon. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. Merci. Un yaït. Trop bon. Je meurs là. Super bon. Excellent. J'ai apprécié. Ouais. Excellent. Reste encore à voir. Pour l'instant, ça me va. Très original.
Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est la vinaigrette, bien marinée. J'ai mis l'herbe de province, voilà. Et j'ai rajouté la cova et des épices de la Suisse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un goût qui remonte. On vous fait voyager dans deux trucs. Dans le sud, les tomates, ils viennent de l'Espagne. Et les cornichons, ils viennent de la Belgique. Oh. Voilà. Encore. Je vous ai fait un peu voyager. J'ai fait une entrée avec le tour de la France, tu vois. On rentre par les herbes de Provence, la Provence, le sud. Et arrivé là, je vous prends direction. Hop, un piège parce que vous allez croire que vous allez arriver sur Paris. Mais en fait, hop, demi-tour, direction l'Italia. Et on va direction Rome. On se pose avec des Pontis Cassine, là. Posez ça, por favor. Voilà. En tout cas, on a apprécié. Hein. Ciao. Magnifique. Je me régale. C'est un délice. C'est vrai. Surtout la purée. Hein. Ah oui, il m'a étonné là. Surpassé même. J'irais même plus. Hein. Des voyages comme ça, on met ça dans la mémoire. Et moi, c'est un repas de voyage. C'est un repas de voyage. Je comprends mieux, mais là, je vous fais voyager. Repas tout simple. Je le repas archi validé. Voilà. Voilà. Là, sans être ici. Tout simplement archi validé. Ah, repas de voyage. Et de voyage, mais c'est surtout excellent. Validé. D'ailleurs, on est bien ici. Hein. Oui. Quelque chose, hein. Ça va. C'est mémorable, ça. Franchement, ça va faire date, hein, ce plat. Hein. Ça va rester symbolique. Peut-être dans des décennies encore, je me rappellerai encore de ça. Ça, c'est sûr. Je vous garantis. Là, comme ça, je n'oublie pas avec les ingrédients. Voilà, un petit peu. On n'a pas demandé du caviar, du crustacé ou quoi que ce soit. C'est des trucs simples, des choses comme ça, mais préparées d'une certaine façon qui te donne un désir, une grande envie. De vraiment, tu as envie de désirer de manger, de voyager et de mettre bien dans ta peau, quoi. Les pâtes que je vous sers, ça vient tout droit d'Italie. Il n'y a pas ici à Paris. Ça ? On aura bien. Où ton assiette ? C'est du blanc. T'aimes bien le blanc, toi ? Pardon, je connais ça. Pardon. Attends. Pas franchement d'être ici, c'est vrai. Il a dit vrai. C'est l'Italie. Hein. On a eu ça, mais. Il a dû payer cher. Ah ouais. Bon, c'est impressionné là. Faut pas le dire. Ouais, ça passe des sous, ça. Merci. Je suis un grand connaisseur de pâtes. Hein. Merci. Ça, on nous a bien. Quelqu'un, hein. On va encore? Pourquoi pas moi, j'aime les Italiens. Je crois qu'il y a le caméraman, il en veut encore. T'en veux encore, caméraman. Ouais. Ça, c'est des pâtes, ça se décusse. Hein. À 15 euros le plat, je peux vous dire, vous avez intérêt de le déguster parce que les pâtes à 15 euros, il n'y en a pas tous les jours. Non, vous avez mangé ? Fallait attendre la sauce. J'ai commencé. Sauce spéciale. Ça d'où ça sort ? Et ça d'où ça vient ? Il y a un endroit, il y a un lieu pour celui-là. Mmh. Et celui-là, il vient d'ailleurs aussi ? Il a voyagé ? Ben oui. C'est vrai ? Ouais. Bien alors. Alors là, je vais vous expliquer. Alors la tomate, elle vient du Maroc, celle-ci. Ah oui. Wow.
Il y a un peu de tout quand même. T'en veux toi, Afrique. Afrique. C'est bon ça. Il y a un message derrière ça. Faut se fusionner. On est solidaires entre ensemble. On est solidaires même dans les plans. Peu, bien, par peu. Génial, combinaison. Ça, oui. Merci. Merci. Super, super. Manger. Qui veut de la sauce? Moi, je reviens bien. Moi, j'aime bien. Moi, je suis fan de des sauces italiennes. Ludo, tu peux me servir? Tiens. Putain, ça... Et tiens, prends. Voilà. Mais tiens, il en reste un peu. Tiens. C'est vraiment cuisiné avec amour et ça se sent. C'est cuisiné avec un amour. Il veut vraiment nous faire plaisir. Et je tiens à le féliciter, tout simplement. 20 sur 20. Oui, très bonne note. Hein. Il a dit, camarade, largement au-dessus. Hein. On va surpasser avec ce mélange. Hein. Cette dégustation. Est-ce que ça vous a plu, les amis? Ça, oui. Très, très bon. C'était très, très bon. Ouais, très bien. Content. Super. Wow. 20 sur 20. Pas loin. Plus, 22. Je donne au-dessus. 23. Wow. On est passé haut. Là-bas. Je vais plus. Hein. J'ai gagné. Au-dessus de là. Hein. Ce plat-là, il m'appellera tout le temps. Même dans plus d'une décennie, je suis sûr qu'on en parlera. Tu vois? Avant, je gardais beaucoup en tête les plats quand j'étais petit en découvert, tout ce qui est raclette, des pommes de terre, des choses qu'on préparait quand j'étais jeune. Mais celui-là, il va aller très loin. On parlerait peut-être toute ma vie, hein, ce plat. Hein, parce que j'en ai mangé des plats, mais celui-là, il va très loin. Hein. Chapeau. Waouh. Moi, pour moi, ce repas-là, il va faire tout simplement date. Parce qu'on, d'une part, on a voyagé à travers la cuisine. Morsa, il nous a donné tout son amour et il a fait le maximum pour nous faire plaisir. Et surtout, il a voulu faire plaisir à Moha parce que c'est son anniversaire. Voilà. Et ça, ça n'a pas... Et conséquent, un repas est cuisiné avec le cœur, ça n'a pas de prix. Voilà. Je vous embrasse. Bon, en tout cas, bah, moi, je dis que franchement, le repas était super bon et merci beaucoup pour ce cadeau-là. C'est un très beau cadeau que Morsa m'a fait pour mon anniversaire aujourd'hui. Donc, bah, Morsa, je te remercie beaucoup pour ce repas et pour ce temps que tu nous as donné pour nous faire ce bon repas et surtout pour mon anniversaire. Normal, mon petit bras. Alors, moi, je voulais vous dire merci à vous déjà pour commencer, mais surtout, je voulais vous faire voyager car un plat, c'est un voyage. Un plat que j'ai fait, la pomme de terre écrasée, c'est un voyage. Pourquoi? Parce que la pomme de terre, elle vient de chez Noël, de son propre jardin, et c'est lui-même propre qui l'a créé. Quoi, grâce à Dieu, grâce à l'eau et la pluie, mais c'est lui qui l'a fait pousser, et qui l'a sorti, qui me l'a ramené. Ensuite, le beurre, on remercie ma chérie. Pourquoi? Parce qu'il vient de la Bretagne. Je ne connaissais pas le beurre de la Bretagne, et j'ai goûté le beurre de la Bretagne, aujourd'hui, je suis un drogué. Je suis en manque de ce beurre. Deuxièmement, quand j'étais en vacances avec mon frère à La Rochelle, quand il m'a invité à Belle, j'ai ramené du sel. Alors, le sel, ça s'appelle fleur de sel. Ça coûte, le petit sac que je vous ai montré, ça coûte 20 euros. Voilà. C'est du sel, mais de haute qualité. Voilà. Donc, le beurre, le sel, tout a une histoire. Les pâtes viennent d'Italie, fait main, dans un magasin spécialisé italien où les plus riches au monde vont là-bas pour récupérer leurs pâtes. Et j'ai envoyé un ami à moi qui revenait d'Italie pour me ramener ses pâtes. Et la sauce, c'est ma magie, avec des pommes, des tomates du Maroc mélangées avec un oignon. Pareil bio. Alors cet oignon là, il venait exactement d'une ferme située en plein milieu de la France
Et c'est un fermier le plus connu au monde. Et il te fait des plats, tu récupères des œufs chez lui, tu manges un œuf, c'est comme si tu en mangeais 10. Voilà, bon appétit. Franchement, très 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 agréablement surpris. Un repas plein de saveurs. On a voyagé à travers le monde, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les petites purées, les différentes sortes de purées. Je ne savais même pas qu'il y en avait plusieurs sortes. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce voyage culinaire, en fait, au bout du monde. Voilà. Bon, pareil, hein. Bon, je pense que vous connaissez la note. Moi, pour moi, c'est un 20 sur 20. Très bien. Bravo. Bravo. Bravo à vous tous. Maintenant, je vous emmène à votre enfance. Je vous ramène à votre petite discothèque que vous faites, votre boom de chez vous. Le gâteau spécial, le gâteau que tous les enfants au monde entier rêvent. N'est pas la mousse au chocolat, n'est pas les ors à la pomme, n'est pas un gâteau au biscuit. Ça sera un gâteau à la fraise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi j'ai mal au dos, je peux pas aller chercher le gâteau. En tout cas, bah merci beaucoup pour ce repas là à Marseille. Et bah profitons du moment. Rien à dire. Mais la tienne aussi. On va amener des nouvelles assiettes. Je suis joyeux. Voilà, on va ouvrir le gâteau. Parnaud, tu peux venir. Prends des places. On va ouvrir le gâteau de cette très bel anniversaire. Joyeux anniversaire, Moha. C'est spécial. Pas des fraises. Joyeux anniversaire, Moha. Dédicacé. Bravo. Vous êtes prêts? Regardez comment on va couper le gâteau. Hop. Tu vas là et tu fais comme ça. La fraise, elle est en plein milieu, c'est pas grave. Voilà. 4. Tu peux me ramener une cuillère pour spéciale pour couper. Cuillère. Et 8. Il y aura une part en plus, ce sera pour. Pour les fantômes. Il faut toujours leur donner à manger aux fantômes. Vous savez ou pas? Oui. Voilà celle-là. Pour le film d'horreur. Essuyez, je viens d'essuyer. Non, une cuillère pour ramasser les gâteaux. Ça s'appelle cuillère de gâteau. Voilà. L'assiette à Moha. Happy birthday to you. Attends, regarde comment on fait après. Happy birthday. Comme ça. Regarde ça, comment je te démise bien. Oh, professionnel. Les papiers d'histoire. Ah, franchement, magnifique. Bon, la restauration. Regarde la technique. Mademoiselle, les filles d'abord. Hop. Regardez comment je lui pose le gâteau. Magnifique. Elle est pas belle l'histoire. Magnifique. Bon, moi je suis arrêté, je vais me servir, mais il y a qui d'autre là? Allez. Vas-y. Oui. Merci. Bouge pas. Même dans le côté gauche. Merci. Moha, parano. Regarde la main. Merci. Le fiston. J'ai réussi à te sauver de ton pas.
Le papounet. Et toi? Et moi. Merci. Et moi. Je pense que celui-là était dur, que j'arrivais pas à le prendre. Je vais essayer de le prendre. J'ai réussi! Bravo! Et l'autre, vous le mettez dans le frigo pour les autres. Ça s'appelle les autres. Faut toujours donner à manger aux autres. Aux autres. Toujours penser aux autres. Voilà, tiens, par le dans le frigo. Pardon, il va pas le manger parce que toi je te vois arriver. Il va l'ouvrir entre toi. Il a pas tort, hein. Tu connais très bien. Je te connais, tu l'as déjà fait une fois. Voilà. Après, ouais. C'est le temps que je fasse le bruit, je me fais cramer. Bon, on va savoir tout de suite avec ma gnagnette, ma pâte là. Bon. Bon appétit. Merci. Bonne dégustation. T'as pris les gâteaux? Bonne dégustation. J'ai essayé quand tu servais. J'ai été très surpris par ce repas là. Mais vraiment. J'avais jamais, mais je dis vraiment, manger un repas aussi excellent, bon, délicieux, exquise. Des fois, j'en perdais mes mots. Franchement, ce repas-là, je m'en souviendrai durant des années et des années. Ça m'a fait voyager, mais comme pas possible. Quand il me disait adorer, j'étais en remise en question. Donc, je me disais, adorer, manger, quelle est la différence? C'est après, en expliquant que ça vient dans tel pays d'Europe, Bretagne, Italie, on vient par la France. Pas un coup, on redescend pas de le Maghreb, on mélange les choses. En mangeant, j'étais ailleurs, je voyageais, mais comme pas possible, j'étais un coup là, un coup par-ci, par-là. Je peux en perdre mes mots pour savoir tellement que c'était bon, que c'était exquise, c'était adorable. Franchement, ça mérite une note, mais quand les gens ils disent une note, 10 sur 20, non, pas 20. S'il y avait sur 100, avec 90-100%, on n'a pas de 20, on n'a pas de 10 ou 20. Voilà. Franchement, c'était une merveille ce plat, mais franchement, un jour, je vous le recommanderai si jamais vous avez besoin d'un cuistot ou un chef. Au moins, vous avez vu des plats, vous pouvez poser des questions. Avec tout ce qu'il y avait, c'est une merveille. Bah, le repas était très bien, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé ce voyage culinaire. Donc, rien à dire, 20 sur 20. Franchement, très bien. Franchement, je me suis régalé. J'ai passé un moment très agréable. J'ai bien rigolé, je me suis bien amusé. Venons-en au plat. Ce plat-là, c'est un plat gastronomique, tout simplement. Non seulement c'était un voyage culinaire, mais aussi il y avait de l'ambiance. Il y avait cet effet avec du cœur, avec de l'amour. Et il nous racontait des anecdotes. Il nous donnait des mots-clés, comment des codes culinaires, comment ouvrir la tarte à la fraise, comment couper les morceaux. On voit qu'il aime la cuisine et surtout, on sent qu'il veut nous faire plaisir. Par rapport à la note, c'est vraiment digne de... On peut... C'est au-delà des notes, c'est 40 sur 20, tu vois. Même plusieurs personnes ont aimé, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas l'état d'esprit, voilà. Ce qui est, je rejoins là-dessus, il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir c'est un certain don. C'est comme Mozart, il joue du piano. On a beau passer des heures et des heures, on ne peut pas égaler, on ne peut pas rivaliser. Voilà, je vous embrasse. Et surtout, un petit clin d'œil à Moha, c'était son anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Moha. Donc alors moi, j'ai très bien aimé. Il nous a fait voyager en Belgique, il nous a fait voyager en Italie, il nous a fait voyager en Bretagne. Donc franchement, un délice. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, Morsay. Merci beaucoup. En ce jour de mon anniversaire, tu m'as fait un super cadeau et ça, franchement, ça me touche vraiment au cœur. Voilà. Je donne alors ma note, ce sera un 50 sur 20. Un 50 sur 20. Bon, les gars, en fait, je les ai arnaqués. J'avais un chef cuistot qui est venu qui m'a expliqué comment fallait faire, mais t'inquiète pas. Bon, en tout cas, j'ai fait ça avec le cœur et je suis content que j'ai eu, je pense que je vais avoir des bonnes notes.